mauvaise nouvelle. Depuis que je commence à faire du stand-up, mon rêve d'envie, c'est de faire un show d'humour sale lutte. Et en plus, à soir, c'était mon premier production dans Zoufest, j'en reviens pas. Puis là, je viens d'apprendre à l'instant même que quelqu'un, c'est juste pour rire, qui a décidé d'annuler ce show-là maintenant. Bouh! Puis vous serez pas remboursé. Bouh! Puis. C'est juste pour rire! C'est juste pour rire! Juste pour pleurer, t'sais. Bref, regarde, je vais laisser le gars s'expliquer. C'est le gars juste pour rire. Faites du bruit, puis accueillez Vincent Détroteau. Sens, là, je veux dire, on va pas une belle compagnie comme juste pour rire, on va pas endosser de la tabarnak de lutte. Et clairement, il y a des jobs qui ont besoin d'être perdus chez Zoufest, la calisse. Je veux dire, moi, on pensait que c'était lutte gréco-romaine ou n'importe quel autre vrai sport, tabarnak. C'est quoi, là, vous le promettez pas de pas être remboursé? Je veux dire, vous pauvres, excusez, vous tripez ça à lutte. Gang de, ça faisait depuis longtemps. Je pense depuis mon road trip à Joliette, j'avais pas vu du monde aussi dégueulasse. Tabarnak! Comment vous pensez que ça peut avoir lieu dans un bel endroit comme ici? On n'est pas dans un sous-sol d'église en faillite, tabarnak! Hey, ça forme-tu ta gueule? Yeah! Il était où mes parents? Il était occupé à pas apprendre l'anglais avec moi. Je me souviens dans le temps, il y avait un lutteur qui s'appelait le Godfather qui venait avec le whole train. Puis lui, sa catchphrase que tout le monde dans le stade chantait en même temps, c'était Pimpin ain't easy.
il y avait des familles qui criaient « Le proxénétisme n'est pas facile! » Les fans de lutte, on est meilleurs que les fans de hockey. Message à toutes les fans de hockey qui ont acheté un jersey avec leur nom à eux en arrière. T'es pas dans l'équipe! Les fans de lutte, on est meilleurs que les fans de hockey, point! Tu sais, qu'est-ce que tu fais à aller, mettons, nous, on va au Centre Bell déguisé en lutteur, tu sais, on sait que c'est pas nous, tu sais. Il n'y a pas comme un trademark de Québécois là-dedans, tu sais. Comme, hey, t'es déguisé en quoi? Undertaker Provençal. Il n'y a pas ça. Les fans de lutte, on se fait rire de nous par plein de gens, comme les fans de hockey. À un moment donné, je me suis dit, ben, tu sais que la lutte, c'est fake. Quoi? T'es en train de m'annoncer que c'est fake l'émission parce qu'il y a une vieille madame qui a déjà accouché d'une main. T'es-tu Sherlock Holmes? Tu sais, tout le divertissement est écrit d'avance, là, je veux dire, les films, les téléséries, le théâtre. Ce gars-là, il va-tu au théâtre voir genre, sais-tu que... Mais non, il va pas au théâtre! Yes, il y a quelqu'un pour ça parler avec, Mais j'avoue que nous, on n'aime pareil pas ça, hein, le mot fake. Pour nous, c'est le F-word. On préfère prédéterminer. Comme dans la phrase, c'est l'histoire d'une fille qui couche avec un fan de lutte et elle a un orgasme prédéterminé. moi j'ai un gars qui m'a déjà dit, je peux pas croire que tu crois encore que c'est vrai. J'étais comme, ce gars-là, il va encore à l'église tous les dimanches. Comme, moi je peux pas croire que tu crois encore que Jésus était blanc. Suck it! j'ai des mauvais réflexes en tant que fan de lutte. L'autre jour cet hiver, à moins 30 dehors, grosse tempête de neige, j'ai vu un gars en unicycle. Fait que je l'ai hué. C'est le fun de la lutte, c'est le fun de côtoyer des gens de lutte. J'ai même eu la chance, dernièrement, de fréquenter une lutteuse. C'était une lutteuse indépendante. Ça paraissait dans la manière de faire l'amour, tu sais. Il y avait beaucoup de false finish. Tu sais, c'est pas de rire des fois. Ah, I'm coming. One, two.